D'ailleurs, oui, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes partis pour une toute nouvelle aventure. Je ne connaissais pas encore. Allez. Japan Studio. Ouais, tu m'étonnes. Ah, bien sûr, je vois la démo, on va essayer les gens. Ok, du coup la manette forcément elle change d'interface. Alors là on a le monde 1. Ah salut petit astrobot. On va aller ici. Je crois qu'on n'a pas tellement le choix en fait. Attention, vertige. Ok, bon on y va. Ok. D'accord. C'est cool, merci. Allez, on va avancer un petit peu. C'est vachement sympa en fait, c'est plutôt joli, je trouve. Ah bah, allez, on continue. Ok. Bah, pour sauter, je m'en doute que c'est cette touche là. Ok. La petite musique est originale. Allez, dégage-toi. Ah, d'accord, c'est moi l'espèce de robot qui en passe. Ok. La police, c'est quand même grave, il y a quand même un bus qui est en bas. On va qu'il y a l'autre côté, donc on va essayer de le prendre. Ah, c'est plus sûr. En fait, une fois qu'on est repassé de l'autre côté, je peux plus retourner. Bon, bah, c'est pas grave, on continue notre chemin. Merde. Et puis, j'en ai bien qui est là-haut. Attends, je suis sûr que je peux y retourner, mais non, je peux pas y retourner du tout. Enfin, t'allais voir. Allez, on va ici. Wouhou! Ah, il y en a un haut. Je sais pas ce qu'on a. Ah, ouais, d'accord.
Ok. J'ai un peu loupé mon coup, c'est ça. Et là, on a un avion qui arrive. Je demande notre ami Whisbeer. Allez Whisbeer. Alors du coup, normalement, notre déco est censé changer d'apparence. Bon, bien sûr. Je l'ai débloqué, il m'a manqué deux à débloquer. Forcément. On peut quand même essayer le port du casque obligatoire. Bon, c'est une idée, comme une autre. Allez, on y va. Pas du tout. Et là, la déco va apparaître tout autour de nous. C'est parti. On pose tranquillement notre manette au milieu. Voilà. Et là, on découvre un tout nouveau décor. C'est magnifique. Allez, on y va. La la la. C'est vrai que les sons sont un peu gonflants au bout d'un moment, quoi. Mais bon. Allez. Tac. Il faut que vous cogniez là-dessus, forcément. Ma petite passerelle tombe. Et là, on peut ramasser tranquillement les pièces ici. Et ah, attendez. Voilà. Et s'attaquer à tous ces petits robots à la con. On va essayer d'aller par là. Attendez voir. Est-ce que je fiche pas là? Pour accéder là-haut, je fais comment? Chose que je fais là? Bon, y a rien. Je vais essayer de retourner par là parce que du coup, c'est passé au-dessus. Je pense que. Peut-être que c'est un détail en fait. Ah, ici. Chose qui est censé s'ouvrir. La 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 la. Rien d'autre. On l'air non plus. Ah si, là, oui, quelque chose là, c'est oublié. La la la. Oh là là. Allez voir, mince. Non, ah non. Thank you.
Il a activé le... Voilà. Non. Et... forcément, on s'en pas loupé. Alors il y a un truc qui me dérange quand même, c'est que j'aurais bien voulu vous montrer Resident Evil avec la cuisine, etc. Enfin la scène de la cuisine. Mais malheureusement c'est un truc qui joue avec les deux manettes. Hein. Et ça, je ne les ai pas encore. Ah, de toute façon, il y a quelque chose au-dessus du mince. Ah, puis il y en a un truc sur mon écran, dégage ça. Voilà. Bon, j'ai pas ramassé toutes les pièces, mais j'en ai eu la plupart. Oh, voilà. Enfoiré. Forcément, on atterrit ici, faut que je me retape tout le chemin. Non mais sérieux? Voilà. Voilà. Alors là, on va pas faire la même bêtise. Par contre, j'ai essayé de bien envoyer mon personnage dans les anneaux. Écoutez les amis, je pense qu'on va essayer de un autre jeu, alors si on peut, parce que forcément vu que j'ai pas tous les accessoires, ça va pas toujours être possible. Voilà.
appuyer là-dessus. On va quitter cette démo. Forcément, ce ne sera pas toujours Astrobot, hein, mais... Alors, donc du coup, on avait Job Simulator, mais ça, c'est bon, je peux plus le faire pour l'instant. Il y a Super Hot VR, je sais pas ce que c'est. Deux manettes de détection de mouvement, ouais, ça a l'air d'être vachement sympa en fait. Il faudrait vraiment que j'essaie de trouver un de ces quatre, ces manettes là. Bon, le truc de la cuisine, malheureusement, je peux pas le faire. Il y avait ce truc là, mais j'ai pas très bien compris comment ça se passait en fait. Battle Zone, peut-être que je peux le faire. Non, on va essayer autre chose. Bon, ce robot, on me dit que c'était fait. On va essayer ça. C'est tout simplement magnifique. En fait, j'essaie de me rapporter, par exemple, si je serais dans l'univers de Fable, notamment. Dans l'univers de Fable, avec ce genre de choses, ça serait un plaisir, quoi. J'ai essayé l'autre fois de mon côté tout seul, j'ai pas encore très bien compris comment ça marchait. Mais j'espère qu'en votre compagnie, ça va être un peu. Ok. Et suivi, garçon. Ok, d'accord. Sauter, attaquer, esquiver. Ok. Vous allez dire, le gaillard tient juste à attaquer. Oui, généralement, je pense dans le tas, donc. Génial. Je croirais vraiment dans un vieux monastère là en fait. Te voilà enfin, cher lecteur. Cette histoire a commencé il y a bien longtemps. Nous espérons que c'est toi qui la finiras. Mais bah, j'espère bien. Cette histoire n'est pas seulement la tienne. Non, elle est liée à celle d'une autre. Et le voyage que vous allez entreprendre changera le destin de nos deux mondes. Commençons, cher lecteur. D'accord. Oh la vache. Je crois que c'est un des jeux qui va peut-être me plaire pour l'instant. Peut-être par l'univers, on va dire, peut-être enchanté. C'est joli. Hein, on peut même regarder ce qu'il y a dans les pièces, c'est génial quoi. C'est vachement bien fichu. Salut petite souris. Hé, hey, petite, petite, réveille-toi. Hé, hey, petite, par ici. Je sais où est allé ton oncle. Je peux te montrer. Tu es liée maintenant, c'est très important. Prends la relique et ton acolyte avec toi. On va avoir besoin d'eux. Hé, hey, l'étoilé! Attends-moi! Cria Quill. Excusez-moi, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Tout cet environnement,
petit, mais à la fois trouble, parce que vous pouvez vraiment regarder. Enfin, c'est génial. Mais ils avaient la réputation d'être de vrais fauteurs de troubles. Il était formellement interdit de passer par la porte Est. Mais malgré la promesse qu'il avait faite à son oncle, elle sentait au fond d'elle qu'il avait besoin de son aide. Je suis d'accord. C'est magnifique. Quinn voulait des explications. Dis, l'étoilé, tu ne peux pas arriver comme ça avec tes énigmes et ne rien me dire. Où est-il? Que sais-tu? Il n'y avait rien ici. C'est génial. Alors, je sais que je peux même faire marcher la PSV avec mon PC, mais j'ai pas encore regardé comment ça marchait pour le sein. Et il n'y a que toi et le géant là qui puissent l'aider à en sortir. Oui. Ah mince, oui, est coincé. Attention. C'est là. C'est magnifique. Bon allez, non, je prends ça. Normalement je peux le tirer. Alors je crois que j'ai dû assez le tirer. Il y a un trou en bas, mais je pense que si je me sauve en bas, ça va pas marcher. Alors le truc c'est que est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Voilà, c'est bon, viens là. Comme ça, on passe par là. C'est génial. Bon, par contre, là, je m'abuse. Il faut que je trouve un moyen de passer le côté. Ah bah si. Fastoche. Voilà. Je bascule ça. Je suis ici. Ça, je le récupère. Je le ravance. Comme ça. Ici. On prend la petite souris qui va par là. Voilà. Petite. Ah, il y a un portail. Cria l'étoilé. Et n'oublie pas de protéger tes oreilles. Ok. C'est un jeu magnifique. C'est tellement beau la forêt aux alentours, et au final vous voyez vous avez le vraiment le décor en fond avec les animaux et tout. Salut toi, ça va, coucou. C'est très original. Cet univers, j'étais vraiment enchanté. Pas oublier que le PSVR, bon, pour certains qui seraient intéressés pour le faire tester à des enfants, le PSVR normalement ne convient pas à des enfants. Voir petite tête, c'est un peu trop dangereux. Quelque chose ici.
Elle est peut-être aussi en dessous. C'est génial. Non, c'est... Non, t'es noir pas. Bon. Allez, reviens. Attends, par contre, je vais peut-être relever celle-là avant. Voilà. C'est magnifique. Alors, est-ce que je dois passer par là-bas? Ouais, je dois aller par là-bas apparemment. Sa petite branche, on s'en met là, on arrive ici. Putain, mais vous imaginez, ouais, j'y arrive vraiment fable. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres jeux. Là, il y a un parchemin ici. Par contre, si je peux me permettre, je vois pas trop comment. T'as dû voir. J'ai dû zapper un détail. T'as pas un truc dans le coin qui pourrait me permettre de. T'as la vache, c'est magnifique. Une souris, apparemment, une souris ne sait pas du tout nager, même dans les jeux vidéo. Ça, c'est pas nouveau. Alors, logiquement, j'aurais bien dit comme par là, donc on fait comme on a dit au début, on passe par là, on parchemin forcément, on l'a déjà ramassé, donc on en a plus besoin. On casse les petits cailloux un peu partout, enfin, les petites branches, la petite souris vient par ici, allez, viens ici, non, ici. On sait, vous voyez, alors, peut-être qu'il y a des trucs en dessous, je sais pas. Parce que j'ai dû zapper des détails. C'est bien pour couper l'arbre, ça. Mais il faudrait beaucoup de souris. Quoi que... Ah non! Donc, en plus simple. Pourquoi toujours vouloir chercher compliqué? De l'autre côté de ce marécage, affirma l'étoilé. Il est très probable que ton oncle soit encore ici. T'as entendu ça? Demanda l'étoilé d'un air anxieux. J'ai fait pas mal de vagues par ici. Il ne faut pas qu'on me voie avec toi. Je te rejoindrai plus tard. Essaie juste de ne pas y rester. De rien. Viens toi. Allez, monte là. Voilà.
Passe par là. Ensuite, voilà, on va passer par là. C'est magnifique. C'était un beau parcours. Hein. They will. Allez là. J'ai peut-être pas envie de retourner là-bas. Oh oh. Bah voilà. Donc en fait, j'ai réussi à trouver comment on fait. Forcément, regarde quand même à la soigner de temps en temps votre souris. Hein. C'est pas doux, mais. Oh, je suis con. Allez, je me suis piqué avec les trucs. Génial. Une grosse bébête qui va sortir ou voilà. Ah non, ça veut juste dire que le passage est libéré. Ok. Allez, on y va. Un murmure se fit entendre dans la forêt. Elle se bat comme si elle s'était emparée du pouvoir de notre champion. Voilà, c'est tout pour ce mini live PSVR. On se retrouvera prochainement avec d'autres jeux, hein, bien entendu. D'ici ce que je récupère des manettes pour vous montrer d'autres trucs plutôt très intéressants. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt les amis. Ciao ciao.